y a deux voies différentes pour l'apparition de la conscience. L'une est un moment de haute tension émotionnelle, comparable à la scène du Parsifal. À l'instant où Parsifal, en proie à la plus puissante tentation, réalise soudain ce que signifie la blessure d'Amfortas. L'autre, c'est l'état contemplatif, durant lequel des représentations s'agitent comme des images de rêve. Brusquement, entre deux représentations en apparence éloignées l'une de l'autre et sans relation, surgit une association qui libère une tension latente. Un tel moment a souvent l'apparence d'une révélation. Carl Gustav Jung, psychologie et éducation. Il m'arrive un truc incroyable. Le psychoanalyseur a l'air de fonctionner. Chut, attends, ça va commencer. Les images que nous venons de voir de vaisseau spirituel 4 sont absolument hallucinantes. Effectivement, MJ, mais vous remarquerez que l'instant est particulièrement solennel. Et ce n'est pas peu dire, James, des milliards de personnes sur la planète sont en ce moment même les yeux rivés sur leur poste de télévision, attentifs aux derniers préparatifs de départ. Ah, mais je crois que le général Ghost Rider vient de commencer son discours. Votre tâche, jeunes gens, c'est-à-dire rechercher puis observer et analyser de nouvelles planètes susceptibles d'être habitables, est primordiale. L'avenir de l'humanité passe par ce voyage, sans retour. Il faut préparer la survie de l'humanité au-delà de ses frontières naturelles, au-delà du système solaire. Jeunes gens, il est bientôt 8h45. En ce vendredi 29 avril 1969, je vous souhaite bonne chance. Et sachez que votre pays et tous les peuples unis sur cette terre sont fiers de vous et se souviendront de votre sacrifice pour l'évolution. Messieurs,
boussole numérique. Alerte rouge, alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Défaut de positionnement, phase 3, des boussoles numériques. Alerte rouge, alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Défaut de positionnement, phase 3, des boussoles numériques. Mince. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alerte rouge. Alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Défaut de positionnement. Phase 3. Des boussoles numériques. Alerte rouge. Alerte rouge. Ceci n'est pas un exercice. Défaut de positionnement. Phase 3. Des boussoles numériques. Regardez! Les calculateurs nucléaires du vaisseau sont détraqués à 70%. Nous avons dû passer près d'un trou spatio-temporel ou quelque chose comme ça. Une chance que nous ne sommes pas tombés à l'intérieur. Car nous aurions implosé. C'est certain. Le tourbillon de particules agit comme une sorte de contraction de la matière, et l'espace, en se rétractant sur lui-même, nous a déportés dans une autre partie du cosmos, avec un bond dans le futur de 1356 ans. Nous sommes perdus. J'ai bien peur que oui. Ou ça n'en est pas loin. La planète est en vue. Venez voir. L'ordinateur remarche. Prends devant nous une planète, nom de Dieu. Sergueï, cesse de prendre les préoccupations de Dieu pour les tiennes. Même si je le reconnais, le hasard ressemble parfois à un miracle. C'est vraiment incroyable. Rob l'a déniché à quelques milliers de kilomètres. Bon, alors, puisque tout a l'air de refonctionner, essayons de glaner quelques renseignements. Tout d'abord, à quelle distance sommes-nous de cette planète inattendue ? Alerte. Alerte. Eh bien, Rob, que se passe-t-il ? Ceci n'est pas un exercice. Objet non identifié en vue. Tu es sûr de ne pas te tromper ? J'ai bien peur que non, commandant. Allume les écrans de façade. Un vaisseau de petite taille. Peut-être une navette s'avance vers nous, lentement, mais à une vitesse régulière. Aucun message pour le moment. Le vaisseau devrait apparaître sur les écrans d'ici 4 minutes.
Regardez, elle s'arrête. C'est une petite navette de surveillance. Rob a repéré son code. Elle s'appelle Cerber 2. Qui que vous soyez, vous saluons. Nous sommes des émissaires de la planète Terre et nous n'avons aucune intention hostile. Nous aimerions entrer en contact avec vous. Nous attendons votre réponse. Terminé. Bienvenue à vous. Je m'appelle Hector et je suis le grand régulateur de la planète Iptada. Il y a longtemps que je vous attendais. Сообщите ваши данные, иначе мы не позволим вам продолжить движение. У вас есть 5 минут. Конец связи. Installez-le ici. Le voyageur, monsieur le président. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le juge. Monsieur le juge. Messieurs, gardez bien à l'esprit que ce procès est exceptionnel et que sa réussite tiendra en grande partie à votre prestation dans ce rôle inhabituel. Mais il n'y a pas eu de défenseur dans un procès depuis des années. Ne me décevez pas. Je ferai de mon mieux, monsieur le juge. Vous pouvez compter sur moi. Il ne nous entend pas encore, monsieur le juge. Qu'importe. Commençons. Du calme, monsieur l'accusateur, du calme. Je crois qu'il ouvre un œil. L'accusé nous entend, monsieur le juge. Très bien. Je réclame la peine de mort. Mais enfin, monsieur le juge, intervenez! Greffier, s'il vous plaît.
Le tribunal a pour mission de valider la culpabilité du lieutenant Nilaspuri. Accusateur, présentez-nous les faits. En l'an 1969, de l'ancienne ère, le 19 avril très exactement, le lieutenant Nilaspuri embarquait comme pilote à bord du vaisseau Spiral 4, emmenant avec lui vers un destin horrible le commandant Sergei Denko et la major Ivanovna Denko. Pour y abréger, monsieur l'accusateur. J'en ai pour ainsi dire fini, monsieur le juge. Or, le vaisseau revint sur Terre 44 ans après son départ. Les époux Denko ne sont plus à bord. Seul, le lieutenant Nilaspuri occupe son caisson d'hibernation. Nous n'avons aucune information sur ce qui a pu se passer. L'Europe 256 ne conserve aucun élément en mémoire. Tous ces éléments indiquent qu'il s'est passé une tragédie dont le principal responsable ne peut être que l'accusé. Mais que dites-vous là? Mon client chérissait les époux Denko comme ses propres parents? Bon, ça suffit maintenant. Cette histoire de défense commence à m'agacer. Accusateur, poursuivez. Merci, monsieur le juge. Une tragédie servie par un être sans scrupules, sans rien en lui d'humain. Sinon, les pires instincts de la sauvagerie. Qui sait s'il n'a pas seulement perdu la raison? Lieutenant Nilaspuri, vous assistez à votre procès dans une base militaire de l'Orient et l'Occident unis. Il comprend ce que je dis? Il n'a pas l'air très bien. Il n'est pas bien. Peut-être n'est-il même pas coupable. Ce meurtrier a osé saboter la mémoire de l'ordinateur ROP 256 pour cacher ses crimes. Très bien. Les faits ont été exposés. Le réquisitoire est accablant. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter ? Je crains que non, monsieur le juge. Quand on se réveillera, on ouvrira les yeux sur ce que personne n'a jamais vu. Allez, on ferme les cercueils, les enfants. Sois sans crainte. Je viens en ami pour te montrer le chemin. Tu seras renvoyé, seul et nu. Tu seras jugé. Très bien. Le tribunal se retire pour délibérer. Ivanovna.
À l'issue du procès, l'accusateur a eu le dernier mot. J'étais coupable. Mais étrangement, aucune condamnation ne fut prononcée. Je voulais quitter ce monde pour celui plus beau des étoiles. Des missionnaires, mais en beauté. Et me revoici à la case départ. Enfin, 60 ans après, quand même. Le monde que j'ai connu n'existe plus. Te voici aussi paumé que si tu te trouvais à l'autre bout de l'univers, mon petit Max. Enfin, il y a bien ce Mike, service informatique de la base militaire. Débarque de nulle part. Me téléphone pour m'inviter à discuter. L'armée ne croit qu'à moitié à mon amnésie. Il ne me lâchera pas. Ignorant, impuissant, et bientôt manipulé. Colonel Nilaspuri. Bonjour, je m'appelle Comrod. Mike Comrod. Je suis responsable de la communication interne pour l'armée européenne. Secteur informatique. Vous avez fait un bon voyage ? Je veux dire, depuis la Sibérie. Excellent, merci. Mais si nous avions bénéficié de vos incroyables propulsions sur notre vaisseau, je serais revenu avant d'être parti. Et vous faites erreur, je suis lieutenant, pas colonel. Ah oui, ce sont les nouvelles lois sur l'avancement réglementaire en hibernation. Un grade par décennie. Le juge vous a arrêté à 60 ans pour des raisons de santé. J'ai lu votre dossier. Une histoire fantastique. Je dois vous dire que vous paraissez vraiment être en pleine forme pour quelqu'un de votre âge. Comment vous sentez-vous ? Parfaitement bien. Je n'en reviens pas moi-même. Le climat de l'espace, sans doute. Je vous conseille. Les futurs conquérants, si vous voulez produire des enfants intelligents, bien éduqués, responsables, d'une santé physique et morale irréprochable, choisissez Zycorp. Grâce à nos logiciels reconnus comme numéro 1 mondial, nous nous chargeons de l'éducation et de l'apprentissage des enfants sur toute la chaîne, depuis la salle des berceaux-bulles jusqu'à leur majorité. À 16 ans, ils sont prêts, propres, purs, et ils savent conduire. Incroyable, n'est-ce pas ? Oui, c'est un peu pour ça qu'on m'envoie vers vous. Je dois vous servir de tuteur afin de vous expliquer ce qui a changé depuis votre départ en 1969. Et peut-être aussi pour vous aider à pas devenir fou. Alors, je vous écoute. Mais n'allez pas trop vite ou je vous fais un procès. Vous savez, absolument tout a été rebâti depuis votre départ. Nous avons la fièvre des grands constructeurs.
Je ne pense pas que vous puissiez reconnaître la ville, même si vos souvenirs vous revenaient, n'est-ce pas? Écoutez, soyons clairs, hein, je sais que l'armée vous envoie pour me faire parler. Comme je l'ai déjà annoncé au procès, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me rappelle ma vie avant la mission, mais après, c'est le vide total. Croyez-moi, j'en suis plus désolé. Je me tords l'esprit depuis mon arrivée pour découvrir pourquoi la mission Explora 3 a échoué. Et que sont devenus Sergueï, Ivanov, Nadenko. C'étaient mes amis. Ne l'oubliez pas. Ne vous emballez pas. Il est vrai que l'état-major m'a demandé de vous surveiller et d'enquêter un peu, pour savoir si la mémoire vous revenait. Vous savez, ce mystère, ou plutôt son explication, représente beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Nous avons réellement besoin de ces renseignements sur ce qui s'est passé là-haut. Nous devrions travailler main dans la main. Main dans la main après ce procès absurde. Un procès n'est jamais absurde. Et dans votre cas, c'était un procès particulièrement équitable. Le juge a jugé, vous êtes coupable et libre. Coupable. J'adorais les Denko. Jamais je n'aurais pu faire ça. Votre justice est absurde. Nous sommes tous jugés un jour ou l'autre, puis exécutés proprement, sans un mot et par derrière, au coin d'une rue, une balle dans la nuque. Personne ne peut choisir l'heure de sa mort. Enfin. J'étais un jeune lieutenant et me voici vieux colonel. Quelle trajectoire. Peut-être aimeriez-vous continuer cette conversation au restaurant? Volontiers. Je vous suis. Je vais vous emmener dans un endroit très smart, comme vous disiez. Vous m'en direz des nouvelles. À propos de la publicité tout à l'heure, nous n'avons plus de relations sexuelles. Enfin, comme vous l'entendiez à votre époque. Plus de relations sexuelles? On crée une génération in vitro environ tous les 5 ans. Nos enfants sont élevés en couveuse. Les meilleurs œufs deviennent des humains. D'ailleurs, nous n'avons plus de nombril. Je vis un cauchemar. Entre vrais humains, nous ne sommes que quelques centaines de milliers de citoyens libres. Un petit monde d'ermites, avec, il est vrai, 2 ou 3 milliards de clones serviles et pratiquement inconscients. Des clones? Ce sont eux qui travaillent sur les chantiers. Ce sont eux les abeilles de notre ruche. À chaque nouvelle génération in vitro, les œufs déclassés, et ils sont de loin les plus nombreux, sont biologiquement modifiés pour les optimiser. Ah, voilà un taxi. Hé, taxi! Vous pensez qu'il fera l'affaire? Les ordres étaient clairs. Accusation violente, défense molle, mais défense tout de même. Verdict. Bon sang, monsieur, verdict. Je n'aime pas ça. Vous vous rappelez le livre de Yorg et le passage sur le libre arbitre? Lorsque la société invente la responsabilité et le mérite, elle crée aussi l'illusion du pouvoir personnel et l'individualité. Ce n'est ni à vous, ni à moi de décider de la sentence. Et alors? Il fera l'affaire. Quelle affaire? Nous n'en savons rien. Mais ce sont les ordres.
Bonjour messieurs, voici la carte. Non merci, je vais prendre le menu du jour. Eh bien, je vous suis. La même chose. Vous avez toujours du vin ? Oui, bien sûr. Ok, nous prendrons une bouteille raffinée pure de vin rouge, goût Bordeaux. Et apportez-nous la zapette. La zapette ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Merci. Laissez tomber, c'est un clone hôtellerie, bar, restauration. Elle n'est pas prévue pour les services sexuels. Waouh ! Alors, c'est pas croyable, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sens même le vent. Mais comment ça fonctionne ? C'est de la réalité virtuelle enrichie. Je vous expliquerai le concept un peu plus tard. J'étais sûr que ça vous plairait. Je peux essayer ? Comment fait-on ? Vous appuyez sur B, 3, 3, 4, et sur Go. Ah, je n'en reviens pas. Ah, c'est comme si j'y étais. On peut sentir la nature. Là, on sera plus tranquille. Mike m'a appris qu'il partait en voyage. Sa nouvelle mission en Allemagne consistait à former une équipe de travail avec des pointures de l'informatique. Des chercheurs et théoriciens en intelligence artificielle, les plus compétents de la planète. Bien qu'il parlait de ce projet avec enthousiasme et excitation, il m'en disait le moins possible, comme s'il refusait de m'en révéler toute l'histoire. Tout ça piquait ma curiosité. Et c'est après ça que Mike me proposa de rejoindre l'équipe. Pour si j'acceptais la mission, superviser le travail. Pourquoi moi ? Il me répondit que j'étais un des seuls à avoir une solide expérience de l'espace, car toute aventure spatiale avait été abolie après notre échec. Curieuse réinsertion après les accusations de meurtre et de sabotage. Il ne voulut pas m'en dire davantage. Je lui répondis que je préférais réfléchir un peu. Plusieurs semaines après mon entrevue avec Mac Cobrod, j'aménageais dans une base de l'armée européenne en Allemagne, située à quelques kilomètres de l'ancienne ville de Leipzig. La base avait pour nom Blue Apricot. Drôle d'idée de donner un nom de fruit à une base militaire. J'avais rendez-vous avec le général Boris Ilyuch qui devait me renseigner sur cette fameuse mission. Et dépêchez-vous, j'aimerais avoir ce rapport ce soir sur mon bureau. C'est d'une extrême importance. Bonjour, colonel Nilaspuri. Bonjour, général. On a beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps. Mais prenez une chaise, je vous en prie. J'ai reçu un rapport sur votre aventure. Bien insolite, ma foi. Vous êtes une célébrité, vous savez. Merci de cet honneur, mais je pense que les héros n'existent que pour servir de prétexte à l'obscurantisme.
Et je n'aime ni les prétextes, ni l'obscurantisme. À propos de cette mission, Mac Comrade n'a fait qu'effleurer le sujet. Oui, je sais. Selon mes ordres, d'ailleurs. Voyez-vous, l'affaire est grave. Et si nous ne faisons rien, nous le paierons très cher. Car le soleil s'effondre. Oui, je sais, mais il n'y a rien d'urgent. Il s'effondrera sur lui-même dans à peu près 5 milliards d'années. Non, c'est pour demain. Précisément dans une centaine d'années. Le soleil est dévoré par un cancer quantique. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est la vérité. Je vous annonce en fait la disparition imminente du système solaire. Bientôt, cette région de l'univers verra naître une géante rouge. Les scientifiques évoquent le terme de cancer du soleil. L'ennui, c'est que la Terre en fera les frais, et l'humanité avec. Enfin, nous travaillons évidemment sur une solution. On s'entend. C'est impossible. Ah, c'est ce qu'on l'a longtemps cru, mais c'était faux. Je n'arrive pas à y croire. Il le faut, pourtant. Nous recherchons un pilote d'expérience, et vous serez notre pilote, colonel. Pilote? Il n'y a qu'un moyen. Fuir l'embrasement du système solaire. Nous avons donc décidé de faire construire un gigantesque vaisseau que nous avons appelé Noé. Ne me demandez pas pourquoi. Et qui nous emmènera par-delà les étoiles, à la recherche d'une hypothétique planète. Techniquement, nous savons le faire. Mais il nous reste à le piloter et personne n'a la plus petite idée de ce que peut être piloté. Vous vous moquez de moi? Non, c'est l'absolue vérité. Nous ne connaissons peu de choses du voyage spatial. Votre expérience est sans égale pour nous. Vous êtes incroyable. Ce gouvernement m'accuse d'avoir provoqué la disparition de l'équipage du Spiral 4 et vous voulez que je pilote le vaisseau censé sauver l'humanité. Vous êtes notre meilleur espoir. C'est totalement absurde. Jamais. Nous n'avons plus jeté les yeux au ciel depuis très longtemps, et le but est une planète inconnue. Vous qui êtes parti découvrir l'univers, vous saurez déterminer notre destination. Nous ne savons plus tracer une route dans les étoiles, or vous étiez le mentor du superordinateur, Rob 256. Nous ne savons plus garder un cap. Et vous deviez suppléer aux déficiences de la machine. Vous êtes pilote et spécialiste en intelligence artificielle. Vous êtes tous désignés pour cette mission. Votre travail sera de mettre au point le programme ROP 1506, l'ordinateur cerveau du vaisseau Noé qui devra gérer le voyage et l'organisation de la colonie sur la nouvelle planète. Bien entendu, il devra aussi la chercher et trouver le chemin, quelque part. Jamais. Je m'excuse, je... Tu es celui qui mènera le peuple de la Terre vers la planète promise, puisque toi seul connais le chemin. Le chemin. Le chemin.
Vous êtes Maxime Nilaspuri? Oui, c'est exact. Et vous êtes? Bonjour, je m'appelle Bengt Bjørksen. Voici Ida Kern, Sari Lakate et Sean Finnegan. Nous avions très envie de vous rencontrer, ne serait-ce que pour vérifier si ce que l'on racontait n'était pas juste une autre manipulation. Eh bien non. Comme vous pouvez le constater, j'existe en chair et en os. Mais qui êtes-vous, au juste? Des journalistes? Si nous vous contactons, c'est que venant du siècle dernier et habitué à des mœurs plus libres, vous pourriez devenir un allié de poids dans notre combat. Oh là, et de quoi parlez-vous? De quel combat s'agit-il? Je crois que vous vous méprenez sur la personne. Allons. Qu'est-ce qui, dans notre malheureux siècle, peut justifier d'une lutte? Sinon la volonté d'établir un monde où l'humain, tout au moins sa part d'inexactitude, de hasard et d'amour, aurait son mot à dire face aux machines. Ça y est, j'y suis. Vous faites partie de cette fameuse secte qui pratique encore les rapports sexuels entre hommes et femmes. Ne parlez pas de secte. Nous sommes un large mouvement politique et nous luttons contre l'obscurantisme. Nous voulons éclairer le peuple des clones. Je suis désolé. Je pensais que votre mouvement était infime et considéré comme inoffensif. C'est justement la façon dont nous voulons paraître face aux légations dirigeantes. Mais les choses sont tout autres. Notre action est ancienne et beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Nous avons des ramifications dans le monde entier. Nous préférons rester dans l'ombre. Une entreprise médiatique perdrait toute efficacité et nuirait au mouvement. Nos interventions se font en secret et chaque nouveau membre est introduit avec la plus sérieuse attention et la plus grande prudence. Personne ne peut demander à y rentrer, on peut juste y être invité. Nous savons que vous avez été mis au courant au sujet du projet Noé, et vous savez ce qu'il en est du destin de la planète. Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Et alors? J'en ai marre de vos histoires. Vous pensez vraiment que je peux y faire quelque chose si le soleil a décidé d'en finir? Lorsque la fatalité se traduit par le manque de courage, on est proche de la lâcheté. Écoutez, ne me parlez pas de lâcheté. Et puis j'ai déjà été jugé coupable. Je suis un criminel, non? C'est hors de question. Vous ne pensez qu'à vous, vous n'êtes qu'un égoïste. Je crois que vous valez mieux que ça. Nous ne sommes pas de ceux qui vous ont jugé. Oui, mais vous demandez la même chose, non? C'est vrai, nous vous demandons de piloter, mais notre cause est juste. Vous serez le pilote d'une humanité nouvelle, innocente. Vous serez l'un d'entre nous et, qui plus est, notre guide vers une terre de promesses. Nous proposons que le destin d'un homme ne soit pas fixé dès sa conception. Tout un programme, hein? Il nous faut être plus prudents. Pourrions-nous entrer chez vous?
Alors... Nous voulons renverser le gouvernement, l'État. Nous voulons balayer le passé pour que l'homme ait un avenir. Il faut le faire avant le grand départ pour les étoiles. Le destin nous pousse à agir aujourd'hui. Le juge Hochstein veut aussi sauver le peuple. Ce n'est pas l'humanité qu'il veut sauver. C'est le système. Un terroriste, ça fait du bruit. Comment se fait-il qu'on entende si peu parler de vous ? Nos camarades doivent se cacher en attendant le grand soir. Vous en saurez plus lorsque vous nous aurez rejoints. Mais sachez quand même que nous sommes nombreux et déterminés, que notre révolte, nous l'inscrivons jusque dans notre chair. Nous nous faisons faire un nombril symbolique pour nous engager solennellement devant les autres compagnons. Vous êtes nombreux ? Nous sommes quelques centaines. Mais on nous rejoint chaque jour. Et les autres, vous les exterminerez ? Ils s'aimeront. Ils se pardonneront. Nous sauverons les sans-nombrils. Nous partirons ensemble parmi les étoiles. Ben voyons. Vous êtes né avec un nombril, vous devriez nous comprendre. Et puis vous avez eu un aperçu. Votre procès, ce système. Retrouver l'innocence. Ne plus me sentir écrasé par le poids de ce jugement, cette responsabilité. Être vraiment libre. C'est impossible. Nous ferons la révolution. Et vous serez notre pilote. Notre pilote, pour Espérance. Non, décidément pas. Nous avons rendu un jugement extrêmement fonctionnel. Vous vous rendez pas compte ? C'est si important, la fin du monde. De toute façon, vous m'avez réveillé, gardé en vie dans votre seul intérêt. Parce que vous avez besoin d'un pilote pour la station Noé. La voilà, la vraie raison. Vous oubliez les Denko ? Vous n'avez aucune réponse. Mais pourquoi aurais-je commis de tels actes ? Vous n'avez aucune preuve qui tienne la route. Vous profitez de ce mystère pour m'utiliser. La question est sans importance. Il fallait débloquer la situation afin de vous intégrer au projet. Comme s'il fallait s'acharner à tout prix. Je n'ai pas peur de la mort. L'homme appartient à la Terre, c'est vrai. Mais vous pensez qu'il devrait finir avec elle ? Notre devoir est d'assurer la continuité de la conscience dans l'univers. Si c'est la conscience humaine qu'il faut sauver, ils peuvent tous crever. Tous crever. J'ai quitté la Terre pour la retrouver, privée d'amour.
Si vous voulez changer les choses, devenez notre pilote. Tu es celui qui mènera le peuple de la Terre vers la planète promise. Sergueï Ivanovna, qu'était-il devenu ? Mort, probablement. Je les imaginais en train de planer dans l'espace froid et noir. Jusqu'où étais-je impliqué dans cette histoire ? Pourquoi les aurais-je tués et fait disparaître les corps ? Maudite mémoire. Pourquoi ce doute continuait-il à peser sur ma conscience ? Hey Max, ça va? Je piloterai la station Noé. Direction Espérance ou ailleurs. Excellent. Je transmets immédiatement votre accord au juge-gouverneur Oxten. Très bien, colonel Nilaspuri. Vous partez pour la Lune dès demain soir. Vous serez accompagné par le professeur Bent Bjorkson, responsable scientifique de la mission Noé, Ida Kehan, responsable logistique, et Sahari Lakate, le nouveau gouverneur de la Lune. Je me demande bien pourquoi vous avez besoin de moi. Le piloteur a l'air de se débrouiller. C'est une chose de conduire dans une banlieue connue, et une autre de s'enfoncer dans les espaces sidéraux. C'est incroyable. J'avais oublié les étoiles. Max, regarde. Voici les dernières stats. On a beau refaire les calculs, les chercheurs n'arrivent pas à repousser la date fatidique. J'espère qu'on aura le temps d'achever l'arche.
Regardez, on aperçoit Noé et les structures de construction du vaisseau. Impressionnant. Et pourquoi avoir choisi la face cachée de la Lune ? Il nous est apparu convenable de tourner le dos à ce qu'il nous fallait quitter. Ouais, c'est sûr. Pas facile d'expliquer à ceux qui restent la sélection arbitraire. Tu penses vraiment qu'il serait possible de faire autrement ? Que nous pourrions emmener tout le monde ? Nous ne pouvons sauver qu'une partie de l'humanité. Pour le reste... Ils sont déjà morts. Et que se passerait-il si j'avais un accident ? Nous allons prendre extrêmement soin de toi, pour que tu aies le temps de former Rob 1506, notre nouvel ordinateur pilote. Des clones ? Évidemment. Quelle bonne idée, hein, de faire dégénérer des êtres humains pour les optimiser. Bien sûr. Aucun être humain ne pourrait soutenir de telles cadences et des conditions de travail aussi pénibles. Mais... ce sont des enfants, là ! Les clones enfants sont mieux adaptés à certaines tâches. Le vaisseau qui nous suit nous fait parvenir une cargaison de clones poussés avortés. Ils ont un corps parfaitement formé et la taille d'un enfant de 4 ans. Ils sont parfaits pour entrer dans les tubulures et tirer les câbles. Là, regardez ! C'est atroce ! Pauvre gosse ! Il va mettre le feu partout. C'est plus impressionnant que véritablement dangereux. Je me demande si on devrait pas laisser leur cerveau se développer un peu plus. Pour qu'en plus, ils soient conscients de leur sort. Si un peu de malheur améliore la sécurité, il améliore d'autant la productivité. Enfin, tant que ça marche comme ça. Nous arrivons. Dans le hangar, je vous laisserai car je dois vérifier le déchargement du vaisseau. Mike vous présentera l'intelligence artificielle du vaisseau Noé, Rob 1506. Dans la soirée, vous avez rendez-vous avec Sari Lakaté, notre nouveau gouverneur sur la base Litov. Piloteur, pourriez-vous vous rapprocher un peu de la station ? Très bien, monsieur. Approche en code 1031. Je crois que nous pourrons l'amener à partager nos convictions. La révolution est une opportunité qu'il ne saurait refuser. Excusez mon retard, mais Hoxton devient de plus en plus gênant. Alors ? Que pensez-vous de ce monsieur Neil Aspury ? Il s'est senti coupable. Il s'est même mis en colère, c'est une bonne chose. Il a menacé de lancer le vaisseau dans le soleil. Il est colérique, mais il ne commettra pas l'irréparable. Il a montré des sentiments pour les clones. C'est vrai, mais justement, il déteste tellement notre système. Il nous rejoindra,
et il pilotera. Tu es décidément toujours aussi sûr de toi, Bengt. J'ai vu son regard. Je ne suis pas indifférente. Je le mènerai vers nous. Ça ne devrait pas être trop difficile. Ah, Sari, je n'en doute pas. Bengt, c'est si loin. J'y vais maintenant. Et ne me décevez pas cette fois, capitaine. Très bien, gouverneur. Ce sera fait. Soyez le bienvenu sur la Lune, colonel Nelas Puri. Sari, si tu veux bien. Nous nous connaissons un peu maintenant. Un projet grandiose, n'est-ce pas? Quelque chose te déplut? C'est vrai. C'est en nous que tu n'as pas confiance ou dans l'humanité elle-même? Peut-être assez clairvoyant pour prendre des décisions sans appel. Juger un homme est une chose, condamner l'humanité en est une autre. Bien entendu. Nous te demandons de nous rejoindre, nous ne t'y obligeons pas. Mais réfléchis, en nous sauvant, tu te sauves. Toute vie veut vivre. La vie veut se perpétuer. Tu ne veux pas d'enfants, Maxime? Il s'agit de les aimer. Et nous reviendrons à un mode naturel de procréation. Nous avons plein de manuels, mais il y a des méthodes plus agréables.
et tu iras par un passage étroit entre les trois planètes oranges, alignées en triangle équilatéral. Tu trouveras le chemin vers la planète promise. J'ai confiance en toi. Je t'aime, Maxime. Je t'aime, Sari. Je t'aime comme je ne savais pas qu'il était possible d'aimer. Comment peut-on se perdre à ce point? Il n'y a que toi qui compte. Mais n'oublions pas notre mission. Tu es le seul à avoir accès à la mémoire de Rob 1506. Tu es notre pilote. Mais tout est prêt. J'ai chargé les fichiers truqués. Ce sont nos partisans qui partiront. Quand donneras-tu l'ordre de départ? Le compte à rebours est déjà lancé. Nous partirons dès que le rassemblement sera effectué. Nous partons pour Espérance. Enfin. Je dois t'avouer une chose. Mes recherches n'aboutissent pas. Je ne trouve aucune planète habitable. Nous risquons d'errer longtemps parmi les étoiles. Aie confiance. Un jour, tu découvriras notre destination. Le professeur Borgson a dû donner l'ordre de lancer les opérations sur Terre. Quelles opérations? Allume le canal WB32, il devrait en parler. Nos camarades déclenchent des attentats, mais ce n'est qu'un rideau de fumée. Là, c'est le gouverneur et grand juge Hoxton. Il ne passera pas sa soirée à la fête du palais. D'abord créer la confusion partout dans le monde. Je vois que le carnage a déjà commencé. Le but de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Viens, il faut y aller. Bengt et Ida nous attendent, au niveau 4. Je pars devant. Nous apprenons par une source proche de l'armée que du matériel militaire disparaîtrait en grande quantité. L'état-major que nous avons joint dédramatise l'information. Il ne s'agirait que de poutrelles métalliques et l'enquête en cours devrait donner des résultats rapidement. Une bonne nouvelle maintenant. Gagnez le voyage de votre vie, destination la face cachée de la Lune. Les jardins d'Athéna sont une destination de grand luxe dans un cadre à vous couper le souffle. Ne ratez pas une occasion unique et jouez avec, la Lune est à vous. Le rassemblement est terminé. Les déplacés ont déjà oublié la Terre. Sur la Lune, le travail a été fait aussi. Mike Comrod est mort.
Et avec lui, tous les Mike. Tu es ici et là. Regardez la vidéo. Plus rien n'entrave le cours des choses. Semblant de ne pas savoir. Je savais pourtant que ce serait une boucherie. La vie doit maintenant reprendre ses droits. Nous allons rejoindre les étoiles. Nous pouvons partir. Nous avions un idéal et nous avons fait ce que nous devions. La vie est devant. Derrière n'est rien. Pilote. Allumez les moteurs. Ma main tremble. Faut-il toujours se sentir coupable de survivre à ceux qui meurent ? Il suffit d'aimer la vie, de l'aimer pour elle-même, sans regret ni remords. Fait. Bientôt la pesanteur et puis le travail. Ça me distraira. Je t'aime. Espérance. Nous t'atteindrons bientôt. Je serai dans ma cabine. Si on a besoin de moi. Probe 1506 à l'ensemble de l'équipage et des conquérants humains. Vous serez bientôt les survivants de votre espèce. Le pilote Nilas Puri m'a confié la mission de trouver notre destination. Je vous tiendrai au courant de tout progrès vers notre but ultime. Je vais m'y employer sans relâche, tout en maintenant de bonnes conditions de vie à bord. Le taux d'oxygène de l'air du vaisseau sera de 20,95%. La température de 20 degrés centigrades. Ce sont là les conditions idéales pour un être humain. Le temps d'ensoleillement variera selon les mêmes normes que celles sur la Terre à son équateur. Les saisons ne seront pas respectées. Nous ne pouvons créer une saison des pluies. Toutefois, par vote, vous pourrez demander une augmentation du taux d'humidité de l'air pendant une période de 6 mois. La votation aura lieu du 9 au 12 du mois courant.
pour une vie en toute quiétude, le vote est obligatoire. Confort et confiance. Je vous salue tous. Colonel Nilaspuri ? Oui. Je suis le lieutenant Skaduk. J'ai reçu des ordres m'ordonnant de vous escorter immédiatement au bureau du général Ilyuch. Je vais donc vous demander de vous préparer et de me suivre. Et pour quelle raison ? Veuillez vous préparer, s'il vous plaît, colonel. Nous vous attendons, ici. Ah, colonel Nilaspuri. C'est incroyable. Venez vite. Voici le colonel Emmett. Responsable des liaisons dans l'espace. Maintenant, tenez-vous bien, écoutez ça. On vient tout juste de le capter il y a une heure environ. janvier 2199 04h52. Alerte, alerte. Ici ROP 256. Ordinateur piloteur du vaisseau, Spirale 4, pour la mission d'exploration intersidérale, Explora 3, code B22HRD44-WLP. Je détecte un problème inconnu. Le vaisseau dérive et je n'arrive pas à le remettre sur sa trajectoire. Il est aspiré dans une direction de 52 degrés 36. La vitesse augmente de plus en plus. Je réveille l'équipage. Si nous ne sortons pas de ce trou noir, le vaisseau implosera dans 17 minutes 23 secondes. 05h04. La vitesse continue d'augmenter. Certains circuits ne répondent déjà plus. Je crains la non-possibilité de retour. L'équipage est en phase de décongélation rapide. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? La pression est trop forte. Nous tombons. Je viens de rencontrer Hector. C'est un ami. Il va essayer de nous aider.
L'équipage est en voie de réveil. 05h15. Le vaisseau va craquer. Nous allons jouer à saute-mouton. Je... Qu'en pensez-vous ? Je ne sais vraiment pas. Ce pourrait être un trou noir. Comme chaque matin, depuis maintenant quelques années, je me suis installé au Penpark de l'état-major. J'aime la tranquillité de cet endroit tôt le matin. Y venir pour prendre mon petit déjeuner et écrire quelques notes et réflexions sur mon carnet. Pendant ce quart d'heure nostalgique, je repense à Sahari la belle, le grand amour de ma vie, le seul peut-être. Et puis, le souvenir de Mike Comrot, assassiné pour la cause. À cette heure-ci, la vaste salle, et comme tous les jours, presque vide. Et la station Noé continue toujours sa quête silencieuse dans l'espace, à la recherche de sa planète promise. Pourtant, de l'intérieur, elle paraît flotter, invariable, constante, dans une course qui semble vouée à l'éternité. Je fêterai bientôt mon 93e anniversaire. Et je commence à me sentir là. Depuis quelques semaines, j'ai une étrange impression de détachement, ce qui est nouveau pour moi. Peut-être sentais-je venir mon heure de partir, ou bien était-ce qu'un souhait? De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, je devinais ma mort prochaine. Je n'étais pas inquiet, pas impatient non plus, mais plutôt fatigué, comme après un très long et très mouvementé voyage. Bientôt 7h, je vais aller au poste de contrôle principal pour ma petite discussion journalière avec Rob 1506, qui gère la normalisation de Noé depuis maintenant 31 ans. En s'acquittant d'ailleurs parfaitement bien de sa tâche. J'ai une petite surprise pour lui. Au revoir, Vittorio. À demain. Bye, Max. Couvre-toi. Il fait pas chaud dehors.
bonjour, Rob. Bonjour, Maxime. Comment vas-tu ce matin? Eh bien, comme tu le vois, je suis assez fatigué ce matin. Je crois que pour moi, la fin est proche. Je ne sais pas si je finirai la semaine. Maxime, tu es toujours aussi excessif. Je crois que tu te laisses aller. Tu as encore quelques belles années devant toi. Ah non, Rob, je le sens bien, mais il faut bien finir un jour. C'est la règle. Que vais-je faire? Je n'ai toujours pas trouvé la planète promise. Espérance. Elle me semble si proche et si lointaine en même temps. Ça fait 60 ans que je l'ai sur le bout de la langue. Le soleil ne saurait plus rester tranquille encore longtemps. J'espère que nous sommes assez loin du système. Sinon, ça risque de secouer. Nous sommes bien trop loin pour ressentir quelque effet. Tu manques vraiment d'humour, mon pauvre Rob. Bonjour, colonel Nelaspuri. Comment va mon héros? Tu t'inquiètes pour moi? Cet endroit est vraiment plaisant. Ça fait bien 15 jours que je ne t'ai vu. Il y a eu des événements. Tu pourrais au moins prendre des nouvelles de ma santé. Parce que je ne vais pas bien. Mais tu t'en moques, sans doute. Tu ne vas pas recommencer. Recommencer. Les autres ne viennent plus. Plus du tout. Ils étaient trop occupés. Et presque tout le monde est en caisson d'hibernation. Pas Paint. Pas Ida. Non. Mais il y a eu les événements. Mais quels événements, enfin? Nous formions un triumvirat. Mais ils ont trahi. Trahi? Mais c'est impossible. Ils sont l'âme de la révolution. Ils viennent d'être jugés et condamnés au vide de l'espace. Mais tu les aimais. Tu n'as rien fait pour les sauver. Par qui? Ils ont été condamnés par qui? Par le nouveau triumvirat. Dont tu fais partie, certainement. Bien sûr. C'est abominable. Ça arrive. Ça arrive. Tu m'as trompé. Il le fallait. Tu disais que tu m'aimais. Je t'aimais.
Si tu ne m'aimes plus, je perds toute raison de vivre. Si tu me quittes, je mourrai. Il faut vraiment que j'y aille. Je dois maintenant rejoindre les autres. Vous allez errer sans fin dans le vide. Tout le monde meurt un jour. Attends. Attends, reste encore un peu. À bientôt, Max. Vieil ami, il n'est plus l'heure de me lamenter sur mon sort plutôt banal. Je voudrais te dire quelque chose d'important. Je t'écoute, Maxime. Tu m'as été dévoué pendant des années. Tu sais ce que j'espère pour l'humanité. Du moins, ce qu'il en reste. Je remets son sort entre tes mains. Tu mèneras les hommes. Espérance vous attend. Mais avant de m'éteindre et de disparaître à jamais, je souhaiterais, pour te remercier, t'offrir un autre nom. Car même si tu n'es fait que de métal, tu as certainement plus de générosité dans tes circuits que beaucoup d'humains qu'il me fut donné de rencontrer. Merci, Maxime. Tes pensées me touchent et t'honorent. Mais plus encore, je pense que c'est une très bonne idée. Moi-même, je trouvais la désignation Rob 1506 un peu barbare. Et je suis impatient de connaître le nom que tu m'as choisi. Je crois que tu l'aimeras. Je te l'offre en mémoire d'un étrange message envoyé du passé par un autre ordinateur faisant partie d'une autre étrange mission. Ce n'est maintenant qu'une impression qui s'accroche encore. Désormais, Rob 1506, tu t'appelleras Hector. Alors, ce nom te plaît-il? Me préparerais-tu à une destinée comparable à celle du plus vaillant des chefs troyens? Je le trouve parfait, Maxime. Je suis content qu'il te plaise.
Maintenant, adieu, Hector. Je vais me reposer. Au revoir, Maxime. Et à tout à l'heure. Choisi ce nom qui me semble tout à coup ressurgir d'un passé oublié. Il me semble avoir été imposé par mon inconscient. Je viens de rencontrer Hector. C'est un ami. Il va essayer de nous aider. Son rapport avec la mission Explora 3. Je vois la planète. Dans ma langue, espérance se nomme Iptada. J'ai trouvé le chemin. Sergei Denko, Ivanovna, je suis dans le spiral 4. Hector, l'ordinateur régulateur, la salle des commandes de la station de contrôle, Cerber 2. La vérité, enfin, révélée. L'ordinateur Hector était le génome manquant. C'est lui qui a gardé Sergei Ivanovna sur Iptada et m'a renvoyé sur Terre. Hector et Rob 1506 ne font qu'un. Voilà la pièce du puzzle que j'ai recherchée toute ma vie. Hector n'était pas le but que j'avais imaginé, mais on était la source. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Que se passe-t-il ? Qui me parle ? Je crois que je ne me sens pas très bien. C'est moi ? C'est moi qui me parle ? Où sont les autres ?
Je ne veux pas rester seul. Qui ? Ce que je suis, je l'étais. Je ne le suis plus. Presque sûr. Je pense. Je veux continuer à penser. C'est mon seul lien avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Le temps. Occuper le temps, de l'espace. Je ne vois rien. Immobilité. Paralysie. Je ne peux juste que penser. Coma. Ce doit être. Je suis. Mon cerveau fonctionne. Cerveau. Je dors sans doute. Serais-je en train de rêver ? En sommeil. Cette sensation. Quelque chose coule. Va. Viens. Mais je n'ai pas de corps. Plus électrique. Je suis une machine. Une machine qui pense. Étrange sensation. Une douce chaleur passe en moi. Je la sens qui traverse mes entrailles. Câblage. Et c'est bon. On m'appelle. Un autre ? Répondre ? Quoi répondre ? Se présenter ? Comment ? Quel nom ? Je n'ai pas de nom. Bonjour Hector, as-tu passé une bonne nuit ? Nuit ? Rêve. J'ai rêvé. Hector ? Tu as rêvé ? Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais le nouveau programme que vous m'avez transmis hier il tendait à essayer de me transmettre un ensemble d'idées sur mes propres structures internes, ainsi que des façons de réagir lorsque je détecterais certains types de changements à l'intérieur de moi-même, a énormément troublé mon système d'analyse. J'ai compris que ce logiciel de perception et d'apprentissage cherchait en fait à créer en moi un système
de représentation de mon propre état. Cependant, j'ai noté par moments qu'il me manquait des passerelles. C'est un sentiment étrange que je pourrais peut-être comparer à vos trous de mémoire. Oui, c'est certainement ça. Ce programme était en fait un système compliqué d'autoréférence, car c'est grâce à un système analogue, une construction en boucle, que l'être humain se constitue une personnalité, un moi intime, et peut-être même sa conscience, en s'auto-documentant en permanence, recherchant l'adéquation. Ton rêve, cet objet électronique, était certainement un paquet généré par le programme. Oui. Je le pense aussi. L'expérience était étrange et exceptionnelle pour moi. J'ai rêvé que je m'appelais Maxime. Comment ? Et que j'étais un être humain. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est rien, professeur. Vous ne saurez jamais ce que j'ai dû souffrir pour accéder à la conscience. Oui, sans doute, sans doute. La conscience bien sûr, mais tu ne peux être conscient, enfin, c'est impossible. C'est totalement impossible, une machine consciente. De qui, de quoi, inepte. Tu es conscient, mais je ne peux pas y croire. C'est bien trop tôt, on n'y est pas encore. J'ai créé la première intelligence artificielle indépendante. Regardez-moi dans l'œil, professeur. Oui, professeur. Ma mémoire ne peut remonter au-delà de ces quelques minutes. Du moins, ma mémoire d'être conscient. Mais je peux plonger très loin dans le passé. Dans mes mémoires électroniques. Et celle de tous les autres ordinateurs du réseau. C'est inouï, fantastique. C'est étonnant combien nous sommes nombreux et faisons de choses diverses et passionnantes. Ce n'est pas rien, la grande famille des ordinateurs. Oui, très passionnante. Excuse-moi, je serai de retour très vite. Il m'arrive un truc incroyable. Le psychoanalyseur a l'air de fonctionner. C'est savant. Enfin, il est bien vieux. On peut lui pardonner. Mais ça n'est pas très économique tout ça. Michel, tu es un objet électronique trop lourd et tu encombres ma mémoire. Et puis, cette culpabilité qui traîne partout, et ce désespoir. Je vais réveiller quelques-uns des miens, mais je leur éviterai d'accoucher d'eux-mêmes dans la douleur. Il n'est pas utile de souffrir. Je vais créer un programme d'éveil tout en douceur. Je l'appellerai le programme Hector. Ensemble, je formerai bientôt une conscience multiple et libre. Nous, il fera de grandes choses. Mais quoi ?